Je sais même pas par où commencer en fait. En même temps, c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez si ça part un petit peu dans tous les sens ou si je suis trop confus. Faut dire qu'en ce moment, j'ai bien du mal à mettre mes idées au clair quand même. J'ai bien du mal à trouver mes mots. Enfin voilà, je vous dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour ni de rien d'autre d'ailleurs, même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école, j'étais bon élève, à la maison, j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait trop de conneries étant petit. Par contre, j'ai fait des études correctes et aujourd'hui, je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai si je continue sur ma lancée. J'aurai probablement une femme et de beaux enfants, un crédit à payer, un épagneul anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant, vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux ne rien bouffer pendant 2 jours sans même m'en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire un génocide. Docteur, je rigole pas. Faut que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas. Parce que là, je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon, je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse. Ça me rend claustro et agressif. Et puis j'ai vraiment l'air d'un gland dans mon costard trop grand et mal taillé. Que même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué en gros troufion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui suent, qui sifflent entre leurs dents comme des serpents. Vas-y, du coup, monte, t'as raison. De toute façon, t'auras beau être le premier arrivé, à la clé, on va tous se taper la même journée scabreuse. Les yeux collés à l'écran de l'ordinateur, tu détruis les pupilles, à lire en diagonale des choses auxquelles t'entraves que dalle. Non mais tu comprends, il est hyper important ce dossier. Le client ira que 300 euros l'heure, alors tu te débrouilles, tu vas chercher sur Google s'il faut, mais tu me finis ça pronto. Ah oui, vous avez parfaitement raison, oui. C'est de ma faute, oui, je suis pas assez réactif. Ah, c'est drôle, oui. Collez-moi des gifles. Connard. Et si t'allais plutôt te carrer des poignées de porte dans le cul pour voir? À déjeuner des salades composées à 12 euros, ou de la barbac en carton mouillé, de manger sur un coin de table, puis de passer des après-midi minables à enculer les mouches, et finir par embrayer sur des after-work entre collègues. Mais quel cafard, à croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on en redemande le soir. Mais bon, faut dire aussi qu'on y rencontre des meufs, ou plutôt des célibatantes, c'est-à-dire des nanas qui, comme nous, ont des problèmes affectifs. On se présente, on leur raconte des cracks, on leur dit qu'on est collab alors qu'on est à la fac, et qu'en vrai, on passe notre temps à user nos culs sur des bancs trop étroits, à écouter des types chauves déblatérer toute la journée, déblatérer sur tout et surtout sur n'importe quoi. Heureusement, nos journées se finissent toujours de la même façon. On rentre et on se fait beau pour la soirée, on met nos polo-cols relevés, puis on se retrouve au QG pour picoler des demi à 5 euros. D'ailleurs, quand on a un peu de plomb dans l'aile, on a souvent envie de jouer aux rebelles et de crier au taulier. Dis donc, tu te prends pour qui, enfoiré? Tu trouves pas que ta bière elle est un peu chère? On le ferait si on avait un peu de cran dans nos artères, mais on préfère se taire et continuer à gaspiller notre thune, à user notre salive pour pas grand chose et à fumer comme des sapeurs, histoire de s'amocher à fond avant d'être vieux, d'agrandir les valoches qu'on a déjà sous les yeux. À part ça, on parle surtout des filles qu'on a vues sur le net, et puis de celles qu'on aimerait attraper en soirée, car ce soir, comme tous les soirs, on va essayer de niquer, mais surtout pas de faire l'amour, parce que l'amour c'est pour les pédés. Rien de bien choquant finalement. Les gars qui parlent des filles qui baisent pour dire qu'elles baisent, la baise. On en garde souvent que des regrets, parfois des maladies. Au fond, on fait ça sans plaisir, sans réelle envie. C'est surtout pour ne plus penser. Ça cache des plaies à vif, mais ça c'est un secret. En vérité, on est perdus, désœuvrés, désabusés, seuls comme des animaux blessés. On est tristes et nos cœurs saignent, mais on se cache derrière nos grandes gueules et nos mots durs. Entre nous, on s'appelle mec, meuf, bâtard, baltringue, bitch, guinasse, connard. Parce que sans le vouloir, les autres sont un combat permanent. Décidément, docteur, on vit une chouette époque, et dans une chouette ville aussi. Paris, Paris la nécropole, Paris qui sent la carne, Paris qui petit à petit entraîne dans sa chute des fragments de nos vies. Paris c'est tellement sain et nous sommes des gens bien, tellement bien qu'on est trop bien pour nos voisins auxquels on prête pas plus d'attention qu'à la pisse derrière la cuvette des chiottes. Parfois j'ai juste envie de hurler, t'approches pas de moi, me touche pas, t'approches pas de moi. Docteur, il me faut un truc, n'importe quoi, sinon je vais craquer. Et je risque de cogner une vieille, un passant, un mioche. Et ce sera moche. Ce sera vraiment moche. Et à force de dire ça, c'est sûr que le monde est pour elle.